Failli l'avoir, hein. Failli l'avoir. Hein. Hop, 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 hop. Je suis à moins 110. Bon. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé. On va y arriver là, on va y arriver. Je suis très calme, très très calme. Normalement avec eux ça devrait suffire, je pense. On avait une petite dette. Je vais vite fait taper les autres. Il faut juste que je puisse racheter 15 shuriken et puis on est là après. Fort, et il arrive des fois à te faire chier en fait. Hein. Voilà, 156. Je vais faire vite fait lui. Attention, toutou. Bon, le toutou, on va l'éviter, il a pas d'argent, on s'en fout. 179, ça devrait être suffisant. Voilà, il en met combien? Il en stocke 8, c'est très bien. C'est très bien. Allez. Voilà, surtout que bon. Il n'y a plus lieu de paniquer ou quoi que ce soit. On commence à la connaître, hein, mes mères. Voilà. On peut recommencer. On peut recommencer. Bon, je me suis quand même pris deux coups, hein.
faire attention à ces petits papillons. Hein. C'est pas grave, si on recommence. C'est pas mal, c'est pas mal, elle avait de l'argument. Ça c'est des coups, faut pas louper ça. Voilà. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. On a hâte de la loquer. Allez, on peut y arriver, on peut y arriver. Allez, jette-moi tes papillons magiques. En tout cas, on se débrouille très très bien. Je suis fier de toi, Spazou. Hein, vraiment. Ah, ils arrivent. Ah, je pensais que c'était déjà passé en fait. Fier de toi, t'as bien compris le boss, je sais, merci, merci. Hop. Tu vois, tu peux la perdre en deux coups en fait. Alors, voilà, c'est ça en fait qui me fait mal, moi, c'est les papillons. Je pense qu'il faudrait pas que je sois gourmand, une fois qu'elle invoque les papillons, faudrait que je me tire. Tout simplement. Tout simplement, je pense pas qu'il faille que j'insiste. Je les évite et puis je reviens tranquille. Et puis, alors, parce que là, ça se passe terriblement bien. Hein. Franchement, je pense qu'elle en est pas loin de. Elle est pas loin de souffrir, la petite dame. Là. C'est rare quand même, touche la coquine. Faut vraiment garder son calme. Papillon ou pas, j'insiste pas de toute façon. Voilà, tu vois quoi. On a fait son illusion dès le démarrage. Donc je vais pas insister. Voilà, on va courir, c'est pas grave, ça va pas être maintenant qu'on va faire le full truc. Ok.
j'ai été gourmand en fait, hein. Tout simplement, j'aurais pas dû. On fait ça, on se précipite pas. Aïe, mince. Ah, j'étais pas prévu ça. C'est pas grave. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. C'est pas grave si on perd, de toute façon, la technique, on l'a. Avec toutes les parties que j'ai foirées, je sais maintenant que c'est que comme ça que je peux la défoncer. Donc je suis déjà assez content. Je suis déjà assez content. Ah, attention, ouais, parce qu'il y en a un qui peut me toucher. Ok. Allez, viens ma grande. Alors ça, hop, hop. Allez, on reprend. Ah, attention à ces petits papillons. Attends. Voilà, fais ça. On va vite se barrer. Ah, il n'a pas fait le... Ah, je... Quand ça se fait? Oh, j'ai... Oh là, attends, je suis calme depuis tout à l'heure. C'est pas le moment de... Allez, hop, c'est reparti. Ah oui, là, non. Ah, je suis tout bien. Je suis tout bien, je suis tout posé. Hop là. Voilà, ça a fait le claquement de doigts. Ok. Faut même pas dire ça, si je perds, je perds, c'est pas grave. Au moins, ça aurait été un beau combat. Franchement, j'aurais pas démérité. Aïe. C'est bien, hein. Franchement, pas de soucis. Hein. Ouais, ouais, je joue bien. Hein. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage que les... Ouais, c'est dommage. Allez, je vais retourner vite fait... Thank you.
Pas de panique, pas de panique. C'est comme ça. Voilà. Puis bon, lui qui est là-bas, attends, je récupère ça. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'il faut, c'est l'argent, hein. Eh bien, mon grand. Oh, oh. Donc, on est à combien, là? Ouais, bon, ça va me faire acheter, c'est bien. C'est... Oh, attends, attends, attends. C'est bien quand même hein, de l'avoir compris. Hein. Finalement, on les prend à la légère, mais ils sont pas si légères que ça. Hein. Tu regardes. Allez, zoop. Super, ça fait en stocker 9, voilà, c'est tout. Oui, j'aurais pu prendre les sous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Oh, commence par ça, dis donc. Alors. Ah oui, c'est original ça. Que je me le prenne comme ça. Je trouvais ça original. Je suis le fils de la chouette. Voilà, quand t'as fait ça, si tu peux sauter en fait. Peu de plaisir. On peut tout de suite, il faut pas la lâcher au shuriken hein, par contre. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Allez, saute. Ah bah je peux pas. J'ai pas pu. J'ai pas pu sauter. Ah,
je lui fais mal, n'empêche, maintenant. Hein. Ah, je la cogne, hein. Pas ça, la petite, hein. Même pas ça. Et invoque tes bébêtes, là. On va reprendre. Salut, Grizzly. Oh non, plus du tout. Oh là là, j'ai regardé le stream. Mais non, pourquoi je t'ai parlé? Oh, je te hais. Bon, en tout cas... Pas du tout. C'est dommage parce qu'elle allait mourir, là, tu vois. Ah non, pas du tout, là. Elle prend cher, elle prend très cher. Non, non, mais ça y est, tu sais, je l'ai observé. Y a aucun souci. Hein. Ah, franchement, je lui fais sa fessée, elle me touche pratiquement plus. Hein. Là, je pense que là, c'est incessamment soupe, là. C'est fini pour elle. Franchement, c'est fini. Je l'ai tellement observé la bête que là... Oh, c'est rare qu'elle fasse ça, cette coquine, alors... Elle aime pas quand tu fais ça, comme ça. Regarde, hop. Le premier combat, en fait, c'est fini pour elle, en fait, hein, tout simplement. C'est le deuxième, c'est, tu vois, là, il n'y a pas de souci. C'est juste le deuxième, là, quand elle m'invoque... T'es un arbuste. C'est juste là, en fait, c'est... Faut être tout calme, là. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai plus de... Ça, par contre, ça m'embête, tu vois, parce que là, du coup, j'ai plus de shuriken. Voilà, donc tu vois, tu restes sur le poteau. Voilà, donc elle appelle son illusion. Et c'est quand elle fait sa petite illusion, tu vois, où là, par contre, ça me casse les couilles. Parce que du coup... du coup, voilà. Madame n'a pas le cran de m'affronter. Non, par contre, j'ai plus de shuriken, c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Les petits papillons qu'elle t'envoie là. Ça, c'est très rare après qu'elle joue avec les kunai comme ça. Hein. Ah, je pensais l'avoir évité, tu vois. Tu te remets encore à faire ça. En fait, la potion d'illusion qui te donne au début, c'est pour les enlever. Alors, j'en ai plus. Donc, du coup, je suis obligé de faire cette technique de mort. Et le problème, c'est que bah, le combat va durer longtemps, quoi. Oula.
absolument se dégager quand c'est ça, là. Ces conneries. Là, j'ai plus du tout de kunai, alors c'est embêtant. C'est embêtant tout simplement parce que voilà, tu vois, ce genre de prise, elle peut pas me le faire. Elle peut pas me le faire, la petite dame. Donc ça me saoule un peu, quoi. Après c'est pas trop grave en soi, mais déjà qu'elle est un peu chiante, alors si j'ai plus de kunai, bon, tu vois ce que je veux dire. Quand on affronte un boss, on peut pas se permettre de venir avec sa bite, quoi. <Tu vois. rire> Donc du coup voilà, mais tu sais que je t'aime sinon. Mais ce soir elle est morte, hein, c'est sûr, je la défonce. Hein, là je suis en mode calme, donc voilà, on s'énerve pas. On s'énerve pas, j'ai compris. On va aller sur celui-là. On va même aller sur celui-là là-bas. Voilà, c'est bon. Ah, il y en a encore un, tiens. Lui, il a échappé. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Attends, c'est quoi cette connerie? C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ça se fait qu'il en reste un. Ah non, mais je suis pas trop content là. Je te jure que j'ai jamais vu ça. Hein. Bon, alors, attention. Ouais. Ouais, je pouvais pas faire autrement là. Ça m'a un petit peu. Ça m'a un petit peu déconcentré là. Qu'il en reste un finalement et que ça, je sais pas, ça a bugué là. Normalement, il doit pas en rester. Attends, faut que je retourne. Faut que je retourne absolument. Absolument rechercher des thunes. J'aurais eu les kunai, là, il n'y aurait pas eu de soucis, quoi. Il y aurait pas. En tout cas, ça serait très bien passé. Mais bon, déjà, le premier round, je le fais, des fois, elle me touche même plus, quoi. Il n'y a pas de soucis, quoi. Bon, faut être patient, c'est tout, hein. Toi-même tu sais, hein. Alors du coup, eux, ils m'agacent parce que maintenant, quand ils me touchent, ils m'énervent plus que elle, en fait. Il faut à peu près, faudrait à peu près 230. Faudrait à peu près 230 pour... Mais bon, voilà, non, non, mais c'est sûr que ce soir, elle y passe, hein. Elle m'a tellement fait chier. Alors lui, par contre, il me casse les couilles. J'arrive plus à l'affronter, lui, à chaque fois. C'est incroyable, hein. Le mec, il te casse les couilles. Voilà, comme ça, on repart par là. Bon, ce qui est bien, c'est que je commence à le connaître par cœur, le jeu. Donc, en tout cas, ce stage-là... Ouais, 158, c'est pas mal, voilà. Bon. On va laisser lécher les clébards. Ce qu'on peut faire... Attends, parce que normalement, il y en a un là que je peux choper. Ah là, bah, tiens, elle est bonne, celle-là. Il m'a lancé des kayas, s'il te plaît. Hallucinant. Ah, d'accord. Voilà. Allez. Je perds pas mon temps, hein. On va y retourner. Il m'en reste 5, normalement je peux refaire tout, je peux être fou. Je peux être fou, fou. Voilà. On peut en faire 20 tout de suite. Bah voilà, c'est très bien que ça en stock 9. Voilà, c'est très bien. Bon, ça va, toi, t'as bien mangé sinon? C'était bon? Ça a été? Bon, bah c'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si ça a été, ça me fait plaisir.
Allez. C'est reparti. C'est rare qu'elle fasse les lancers de kunai comme ça. Je peux t'assurer que... Tu vois ça? C'est franchement pas sa signature. Tu vois, elle aime pas quand tu la niques comme ça en fait. Parce que du coup, tu la perturbes. C'est pour ça que le premier round en fait, il est. Bah maintenant, il est tout bidon quoi. Finalement. C'est le deuxième, à chaque fois c'est le deuxième qui est un peu compliqué. À chaque fois, tu vois, me fait plus rien perdre. Hein. C'est le deuxième. Là. C'est un peu chiant. Ça. Un petit peu chiant à chaque fois. Là, faut sauter, là, faut s'extraire. Si tu n'arrives pas à t'extraire, c'est la merde. J'ai voulu essayer de le faire à mort et puis finalement ça sert à rien, je vais me faire défoncer. Donc c'est pas grave, on va être patient, on va être patient, on va arrêter de faire le con. On a dit qu'on y allait mollo, on y allait mollo. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. J'ai loupé un enchaînement et finalement, tu vois, ça m'a défoncé. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Là. Bon. J'ai plus de thunes, je crois. Hein. Ça en ferait quoi, 12? Bon, on peut essayer. Tiens, si, attends, je vais en racheter. C'est pas grave, je vais encore en acheter deux. Multivar pop, mais au moins ça va en faire un peu plus. Voilà, impeccable. Il pop pas.
non. J'ai loupé mon enchaînement. C'est pas grave. En tout cas, terrifiant ce boss, hein, je peux te dire. T'arrives pas comme ça et puis j'ai oublié de sauter. Elle est chiante, hein. Franchement elle est chiante. Hein. Je vais te dire, j'ai bien l'impression qu'elle va me marquer dans le jeu. Hein. Je pense qu'il y a qu'elle qui va me faire chier à ce point-là quand même. Je sais pas pourquoi, mais... Elle m'a fait tout de suite l'illusion. Hein. Pas cool ça. Ouais. On va pas s'attendre, pas traîner. Ils sont déjà là les mouflets. J'ai pas regardé sur YouTube, mais à mon avis, à moins que je suis nul, mais je pense qu'elle a dû marquer pas mal de monde. Elle. Putain, merde, ils sont sur les côtés. Parce qu'elle est vraiment tendue. Hein. Trop vite, meunier, tu dors. Ton moulin va trop fort. Bon, elle va me les rappeler là, c'est... Bon, elle est déjà là par contre. Ah ouais, enfin, je me casse là. Ah, je suis pas synchro là, ça va pas. Sortez un peu parce que sinon ils vont tous m'arriver des ouf. Ok. J'ai foiré là, hein. Je
suis pas trop content, moi. Hein. On va lancer une petite crotte de nez comme ça. Ah, j'en ai plus. Non. Eh, hey, tu fais quoi là? Il est con. Hein. Alors, je sais pas si tu vois sa jauge, mais normalement là, je lui mets 3 coups, elle est morte. Alors, est-ce que je fais Bruce Willis et George Ivey ou. J'ai pas trop envie. Je vais être patient, faut pas que je fasse le con parce que après, ça fait chier de recommencer. Franchement, ça fait chier. Tu vois, là, ça craint, j'ai plus de shuriken. Oh putain! Oh, je suis une bête! Oh putain, mais des montiers! Exécution du Shinobi Spazu. Première dan, ceinture noire de karaté, kung fu, MMA, jiu-jitsu. Oh, le souvenir du matin gagné, va. Et bah voilà, tu vois, et j'ai mis mes palpitants à 30 pulsations, je vais te dire que là. Et bah voilà, c'est fait. Tu pourrais me dire merci quand même, félicitations. Hein, hein, si ça te dérangerait pas. Hein. Tu sais que tu étais parti aux toilettes, tu t'es dit, ah bah tiens, moi j'en ai ras le bol, il y arrive pas. Voilà. Puis là, t'as le jeu qui crache. Non. Ah, ça me faisait chier, lol. Ouais, bah elle est morte. Ça y est, je l'ai défoncé. Comme un grand. Ah, dis donc. Elle m'aura vraiment vénère, elle. Hein. Putain. Ah, on va enfin pouvoir voir ce qui se passe après. Ouais, bah le début il était ouf quand même, hein. Parce que même les boss à Dark Souls ou Bloodborne, ben voilà quoi, ils imposent pas un tel rythme en fait, une telle cadence. En général, les boss ils sont toujours là, tu fais à chaque fois des esquives corps à corps, y a pas de soucis, pas trop de soucis en tout cas, mais. Elle est casse-couille. Hein. Et ouais, je veux bien une sucette, ouais. S'il te plaît. Prends mon sang et revis. Oh putain, qu'est-ce que je suis content, mon grand, là. Bah, à part le boss de fin, Lurik, avec sa, avec la princesse, là... l'arbre, on s'en branle. Les deux, là, enfin, les trois frères qui s'affrontent, on s'en fout. Mais j'ai pas l'extension. Ok. Bon bah ok. Alors elle est où la petite dame? Elle me remercier quand même. J'en ai une? Ah non, c'est ce que je pensais, je suis pas de graine. Mais non, c'est pas une marque de naissance. Oh, l'étage du dragon, tu vois bien que je suis. On m'a bombé la gueule. Ok. Et donc ça s'arrête là, quoi, je veux dire. J'ai défoncé madame, alors amélioration de la puissance d'attaque. Dans l'idole du sculpteur, d'accord. Améliorer de la puissance d'attaque, parce que ça c'est important ça. Affronter le souvenir papillon. Ah non, mais je la recommence pas, hein. Tu peux rêver mon grand là. Hein.
C'est quoi cette connerie là? Putain, tu vas voir que c'est ça? 100% suffit rien. Ah voilà, la puissance d'attaque a été améliorée. Ah oui, non, d'accord, hein, c'est juste un souvenir. Parce que là. Ah bon? Non, il va pas m'arracher, c'est de la rigolade. Compétences, qu'est-ce qu'on a en compétences? Pas grand-chose parce que j'ai rien débloqué en fait. On va faire ça, croc de lame, parce que ça fait plaisir. Mais après, ouais, j'en ai que 3 de ça. Hein. Ouais, j'ai 3 perles de chapelet. Alors déjà, on va se reposer. Ensuite, on va acheter des emblèmes, mais non, même pas, j'ai que dalle. Hein. J'ai rien. J'ai rien du tout. Alors, voyager. Alors, attends, je vais revenir ici, juste pour voir ce qu'il y a dans cette pièce où on m'a mis un coup de lame. Tout simplement. On va voir ce qui se passe. Ah, lui est toujours là, lui. Il dit, oh bah lui! Ah si, mon grand. Donne-moi ça. Voilà. Bah oui, je sais, je sais, je sais. Voilà, parce que du coup, j'ai pas pris mon Bouddha. Ici, voilà. Ça nous fait un idole du sculpteur trouvé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là c'est bon, là. Donc est-ce qu'il va falloir donc ici j'ai certainement oublié un boss ici, hein. 4 niveaux dans les alentours d'Ashina. Ça serait étonnant. Attends, je vais quand même fouiller là parce que ça me paraît bizarre. Est-ce que le jeu se contenterait de ça en fait? C'est par village. Ça a l'air. Ça a l'air. Allez, on sauvait le jeune maître, ok. Attends, il y en a qui sont là normalement. Là. Ah oui, ils sont tous là, ouais, d'accord. Bon, c'est bien, ça nous fait un peu d'argent. Je me souviens qu'ici il n'y avait rien du tout ici. Hein. Non, ici il n'y avait rien. Ici ils sont en troupe. Ah si si. Oh là, mais t'es chaud toi. D'accord. Tu me parles de Dark Souls ou tu me parles de Sekiro? Parce que si c'est Sekiro, il y a tout qui est bon. Hein. Franchement, bon, par contre là, j'ai pas assez pour mettre les, pour mettre la hache et tout. Ok, c'est bien. Il s'est pas pris. Je vais aller prier, c'est pas ici, hein. C'est vraiment pas ici qu'il manque un endroit. Ouais, exactement, t'as bien raison. Nioh aussi, hein. Nioh c'est très très sympa aussi. Hein. N'oublie pas, ne nommez pas s'il te plaît Nioh. J'aimerais pas avoir loupé quelque chose ici quand même. J'aimerais pas...
Donc je vais les rejecter vite fait. Tiens, je vais aller voir l'autre de l'entraînement, voir ce qu'il me propose. Bon, en tous les cas, je suis bien content d'avoir passé cette cruche là, parce que disons. Si tu veux, on s'entraîne à l'épée. Je sais pas, on s'en fout des attaques. On s'en fout, franchement. On va juste voir si ça apporte quelque chose en fait. Bon, ça apporte rien du tout. Hein. Ah, c'est pour montrer sa jauge. En fait, lui, voilà, on s'en fout. Hein, tout à l'heure. On s'en fout. Tu vois. Bon. Notre été déverrouillé. Ok, c'est génial. Alors, reviens quand tu veux. Bah, plus jamais, parce que t'apportes pas grand chose, mon grand. C'est pour rien. Moi. Bon, c'est tout ce qu'elle me raconte, elle, là. Faut que je mette mon Bouddha dans le truc. Oh là là. Alors, du coup, on va prier. Donc, il va m'emmener dans quel secteur? Dans le domaine Hirata, voilà, c'est ça. C'est ça même. On se retrouve là au démarrage. Donc on s'en fout d'ici en fait. Hein. Je pense qu'ici on s'en fout. Domaine Hirata, on a tout fait. Je vais revenir aux alentours d'Ashina. Et je vais aller le faire de fond en comble pour voir s'il n'y a pas un petit truc. De toute façon, je m'en fous maintenant qu'elle est plus là. Je me sens libre. Ah, fait du bien. Ça fait du bien. Bon, ok. Ouais, parce que du coup. Ouais, c'est bon, je sais où. Ça va, non? Ah, super. Qui sait? Ouais, je sais. Je sais que t'as loupé, oui. Ah, j'étais pas venu par là, si? Ah si, c'est quand j'avais sauté sur le... Oui. Exact. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, attends. Petit coup d'épaule, c'est bien ça, mon grand, ça fait plaisir. Ouais, comme ça, là, on va se mettre full. Hein. Je vais te dire que là, on va récupérer des pièces. Ça va être sympa. Donc là on avait deux archers, il y avait des chiens aussi il me semble. Putain qu'est-ce que c'est propre franchement, qu'est-ce que c'est propre. Bon. T'as vraiment une sensation de liberté qui est phénoménale quoi. Très. Très violent. C'est ce qui fait ma caractéristique. On va pas croire comme ça, mais moi je suis un foufou, moi, je te préviens. Allez. Ah oui, ils avaient des mousquets, exact, je me souviens. Bon, ça sert à rien, je veux dire. Voilà. Alors j'aime pas tuer les bêtes là. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Bon, il y avait rien. J'en ai oublié un, hein, en coin. Ah bah oui, il est là. Ah mais il y en a deux. Oh, on va les laisser, allez. Un genre de chance. Mais ici, il y avait des chiens, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est pas les chiens de Bloodborne.
à dire. Ils sont tout mignons, eux. Ils sont vraiment tout mimi. Ah bah lui on l'avait parlé, ça c'est quoi ici, ça y a rien. Ok. Ah ici on avait affronté une sorte de boss aussi, je me souviens vite fait là. Je dis une sorte de boss hein, parce que c'était un rigolo hein, franchement. Même pas s'il faudrait que j'aille revoir la dame qui m'a parlé. Oh genre. Enfin, en soi c'est pas grave mais quand même ça me dérange un peu là tu vois. Ah t'es venu. C'est bien, ça me fait plaisir. Hop là. Voilà. Allez, et je reviens. Ah, ils sont trois quand même. Hein. Alors attends. Il me semble que l'autre, la dernière fois, déjà, j'avais pas trop apprécié sa petite technique de snipe là. Voilà, c'est juste pour histoire d'être tranquille. Il est peut-être pas tout seul par contre. Ah, je suis un assassin, les amis, je vous le dis. Hein. Ça va vous faire tout drôle, hein. Ah. Forcément, hein. Hop. Une fois qu'on a Madame Papillon, là. Attends, il y a André le géant. Oula. Il est grand, lui, hein. Il est grand, je veux dire. Bon, attends, je vais me fumer, lui. Ah, bah peut-être pas en fait. Ah, tu connais celle-là, regarde. Hop là. Voilà, comme ça tu as... Oh, dis donc, t'es un beau bébé toi. Hein. Ah oui, je me souviens, il m'y suivait. Exact. Exact, bon on va te laisser tranquille. Hein. On va pas te parler. Alors, est-ce que... Elle va me dire quelque chose. Jeune mère, tu m'entends, d'accord. Nous comptons sur toi. Prends l'échantillon de sang, prenons de la toux. Ah, c'est bon. L'échantillon de victime de la peste du dragon contient du sang stagnant et ma peut l'utiliser pour trouver un remède. Ah, c'est bon. C'était peut-être ça qui me manquait. Voilà. Et donc, il y a toujours le sniper là-haut. Là. Bon, alors, je sais pas. Je vais aller voir Dame Emma, là, parce que... Wouhou ! Oula, c'est quoi cette connerie, là ? Ah, c'est bon ! Une bourse ! Ah, c'est bon, ça ! Vas-tu me faire le grappin ? Oui. Attends, je sais plus où est-ce qu'il était, mon... Attends, j'étais aussi loin pour Paul comme ça. Attends, j'ai vu ton message. Par contre, je vais vite fait aller ramener l'échantillon. Et après, on va en parler. Ah, t'es là. Un petit voyage. Voilà. Alors, déjà, je vais pouvoir acheter des emblèmes. Ça, j'en prends direct 26. Voilà, comme ça, on a du stock. Ça me va. Je me repose en même temps parce que là aussi. Et je voyage, je retourne ici au temple ruine. Alors donc du coup, ça te dirait d'être modo sur la chaîne. Ah mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi tu vois, ça va être un filtre. Y a rien qui va passer, attention. Hein. Alors, l'échantillon de sang malade. Voilà. Ah bah, je suis bien content, j'ai réussi à comprendre l'histoire.
Mais oui, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Ça va saigner dur, tu vas voir. C'est tout? Bon, alors du coup, je lui ai donné son truc de sang. Mais moi, ça m'a pas apporté grand-chose, hein, franchement. Lui, il tousse toujours. Prothèse, on s'en fout. Ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Mais ouais, tu mets numéro 1, t'es fou, toi. Tu mets modo numéro 1, ça va barder. Ça va barder sévère. Non, mais attends. Communauté de foufou, quoi, je veux dire. Hop là. Ah, allez, un peu de sport. Voilà. Bon, cela dit étant, hop là. Alors, je suis désolé, je refais encore un petit trajet comme ça. Hop, et tac. Voilà, on va revenir ici. Est-ce que j'ai dû louper encore un échantillon ou quelque chose de la sorte? Oh. Donc, bon, voilà quoi. Voilà, donc ici, c'est là où il y a le snipe au-dessus, là. On va se le faire vite fait. Je sais pas si... Est-ce que je fais? Je prends des risques ou pas? De toute façon, on s'en fout. Ah, tiens, j'ai pété à gauche, là. De toute façon, on s'en fout, finalement, parce que j'ai save, donc... Vas-y, on y va, on s'en fout. On est fou. Vas-y, on y va. Allez, vas-y, looping. Hop, voilà, donc comme ça, c'est bon. Ah, là, ouf, putain, j'ai cru que le jeu l'avait planté, là. Et ici, je cavale. Me souviens. Ouh, c'est quoi ça? Ah, mais je t'ai jamais vu, toi! C'est nouveau ici, non? Ah. Ah, ouais, mais il est. Bien sûr qu'il est nouveau! Mais si vous êtes ouvert, vous pouvez excuser. Oui. Et tu m'apprends à jouer ou quoi, toi? T'arrêtes pas? C'est un catcheur. Oh, je vais te saigner mon ventre, je vais pas comprendre. Tu sais pas ce que c'est d'affronter Dame Papillon. Oh là là, genre. Ouh, dis donc, oh, j'ai trois hernies là. Ah d'accord. Ah, bah lui, il est. Ouais, il aime pas les gens, lui, hein. Bon, en soi, il n'est pas très très compliqué. Alors, tu sais ce qui va se passer? Ça va être très simple. C'est que je vais mettre mon huile. Hein? Et je vais te badigeonner, moi, tu vas voir. Alors. Bon, je fais ça pour être tranquille. Hein. Voilà. Qu'on puisse l'affronter tranquillement. Ne fais pas genre t'esquives, toi, parce que je. Hop là. Voilà. Allez, il est où le Kogan? Tiens, regarde. Hop. Là, tu m'as un petit peu fâché. Hein. Je te cache pas que ta prise à deux balles, là, m'a un peu énervé. Là. Voilà. Ah, je suis coincé. J'étais coincé. Ah, mais je tremble ouf, hein. Oui, tiens, regarde. Hop. C'est quelque chose que j'accepte pas. C'est qu'on me prenne comme ça, j'ai direct. Direct, mon grand. C'est ça, t'as raison. Ouf. Tiens, regarde. Voilà, ça va te faire du bien, ça. Ah, t'as pas aimé, hein? Voilà, petite bébête. Ah, c'est pas fini. Monsieur hors demande. Attends, je vais revenir. Hop là. T'as pas tout vu. Hop. Tiens, c'est pour toi ça. Ah, j'ai plus de. Ah, je me suis fait avoir. Ah ouais, je me suis fait avoir totalement. Pardon. Bon, bah il est très facile sinon. Ouais, grave. Très très simple, il est simple, je sais ce que je vais faire. En soi,
pas me mettre à perdre tout pour lui. Hein. Non mais fais pas le show toi le samouraï. Je vais chercher ton copain. Voilà, allez, viens. Viens, mon grand. Allez, viens. Parce qu'on voit que... Ah, que monsieur... Voilà. Il a une technique badass en fait, hein, regarde. Simplement. Hop. Hyper patience en fait, c'est ça qui est bien. Je l'ai cramé normalement, hein. Je sais pas si t'as vu, mais il n'aurait pas dû réagir comme ça, hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Moi je suis pour la justice. Hein. Ok. Normalement, il n'aurait pas dû réagir comme ça, le pépère. Bon, on saute et c'est parti. Ouais, on voit le catcher. Non, c'est trop pas bien. Oh, pas bien. Se tromper de bouton. Bah, il est chiant finalement. Hein. Bah, finalement, il est chiant. Ah, bah ça me fait plaisir de retomber encore sur quelqu'un qui va me faire passer de 3 nuits entières. Je vais lui mettre un coup de... Je sais ce que je vais faire. Je vais lui mettre la hache. Ouais. On va lui mettre la hache dans la tronche. Est-ce que tu penses qu'il va péter le bois? Il pète un peu. Il pète un peu de bois. Si je lui mets comme ça, là. Ah, il aime pas trop. Il aime pas trop, mais ça sert pas à grand-chose. C'est pas terrible. Tu vois, c'est pas... Or que le feu, ça garantit... ça garantit qu'il me laisse un peu... tranquille. Là, le feu, ça laisse une petite part de liberté. Voilà, le feu, tu vois, permet d'agir tranquillement sur monsieur. Hop là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Oh, je fais tomber. Il tombe pas lui. Ah non, il tombe pas lui. Non, monsieur est fort. Je suis pas sûr qu'il m'ait touché quand même là. Hein. Je suis pas sûr. Attends, je regarde un petit peu les décors. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas convaincu. Quoi. Tu vois quand il fait ce coup là, franchement, c'est un coup qui est un peu cheaté ça, je pense. Je pense que c'est un coup qui est un peu cheaté. Bon, en tous les cas, je réessaye une dernière fois, et puis après, je vais faire une petite pause ounette, parce que j'ai... C'était... À la base, je vais pas jouer à ce jeu, hein. C'est parce que ça m'avait un petit peu trotté, hein. Du coup, bah, je vais taper parfois déjà, parce que déjà, tu m'énerves. Voilà.
Du coup, j'en fais une dernière fois, et puis après, voilà, c'était surtout la dame papillon hein, que je voulais. Hein. Et qu'on a eu. Bon. Ah, j'ai peut-être un truc. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme l'autre. Je vais faire le lâche. Regarde bien ce que je vais faire. Et je vais attendre qu'il se tire. Tu vas voir. Et je vais le prendre par derrière. En tout bien, tout honneur. Qui c'est qui m'a repéré là? Attends, faut que je fasse gaffe quand même. Il doit y en avoir un. Ouais, il est là. Tu crois que je peux le sauter là? Ah non, il a peur, il a peur. Bon, allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Wouhou! Mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'affronter un boss en fait. Alors bon, du coup, je le prends à la légère. M'en fous, je fais rien. Voilà, c'est bien. Ah, c'est toi qui vas faire ton erreur. Hein. Tu vas perdre patience. Hein. Ah, il m'a mis un petit chassé quand même. Et là, il a eu de la chance. Là. Voilà, et regarde, ici, est-ce que c'est pas le moment de se barrer? Il te voit pas. Discretos, regarde comme ça. Et on va le laisser partir, tu vois. Ah. Peut-être pas. Hein. Ah ouais, si, il me voit. Hein. Il est là. Ah oui, il me voit. C'est embêtant parce que si je me repose, il va. Enfin, je fais un petit test. On va recommencer comme ça. Voilà. Je vais aller le rechercher. On va essayer de refaire ça mieux. Ce petit boss là, il est embêtant. Mais faut lui là, je pense que c'est lui là. Alors si tu veux pas le loquer, tu le dis. Ça y est, je vais voler. Allez, au revoir. Bon, bah voilà. Bon, il n'est pas spécialement dur, mais bon, il est un peu embêtant. Quoi. Bon, je fais ma petite pause-ounette. Et puis, je te redis à tout à l'heure. Mais il est facile, il est facile. Je m'en inquiète pas du tout, je m'en inquiète pas du tout. C'était vraiment Dame Papillon. Et là, voilà, tranquille, tranquille.